j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci dans mon salon parce que en ce moment j'ai le chien de mes beaux-parents en garde et j'ai déjà testé de filmer là-haut cette vidéo. Ça a été une catastrophe avec le chien. Donc là au moins il m'a pas très très loin, donc normalement il va pas faire trop de bêtises. Bref, donc on se retrouve pour les promos Beauté Leclerc 2019. Ce sont pour moi les meilleures promos qui existent. Et donc c'est valable du 7 mai au 18 mai, vous aurez cette vidéo le 9 mai. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous mettrai ici les prix hors promo et les prix en promo de chaque article. Et en barre d'infos, le prospectus au cas où vous ne l'auriez pas reçu, mais je doute quand même. Donc c'est parti, on va commencer. J'ai pris tout d'abord des cotons démaquillants. Des make-up, j'ai pris les sensitives. Il y avait 6 paquets x 64 disques. Je voudrais me mettre aux disques, enfin aux lingettes démaquillantes réutilisables, mais je voudrais les acheter sur, la boutique de Bébé Pulpeux. Ce sont les créas de bébé. Pareil, je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais pour le moment, elle vient d'avoir une petite fille, donc elle avait fermé la boutique. Et elle nous dit souvent dans ses vidéos qu'elle va bientôt réouvrir cette boutique. Donc, dès qu'elle rouvre, j'achèterai des disques lavables et je vous en parlerai en vidéo. Mais pour le moment, j'ai acheté ceci, ça valait vraiment le coup. Malgré que ce soit des petits disques, moi j'aime bien les gros disques, vous savez, les gros cotons pour bébé. Là, après tout, c'est pas très très grave. Déjà, je me démaquille à l'huile démaquillante, donc j'en utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Mais ça valait le coup. Et là, il me restait plus que deux disques à la maison, donc il fallait absolument que j'en rachète. Ensuite, étant une gonzesse, j'ai racheté des protections. Je prends toujours celles de chez Nana depuis que je suis adolescente. Et je prends toujours celles de nuit, que ce soit pour le jour ou la nuit. Et c'est les plus absorbantes, c'est les Good Night. Il y en avait un acheté, un gratuit, donc ça valait vraiment le coup. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur l'endométriose, sur ce que moi j'ai pu avoir comme symptômes, etc. Ce que je peux avoir comme symptômes, puisque je pourrais en même temps vous parler des règles, parce que dans l'endométriose, il y a de gros soucis de règles. Donc si ça vous intéresse ce genre de vidéo, mettez-le moi en commentaire et je vous en ferai une très rapidement si vous voulez. Donc voilà, bref, un paquet acheté, un paquet gratuit. Déjà les nanas, sincèrement, ce ne sont pas les plus chères et pour moi ce sont les mieux. En tout cas, c'est celles qui me conviennent le mieux. Ensuite, whist, on va mettre le sac juste ici. Hop, je bouge un peu. J'espère que la vidéo ne va pas être trop sombre. J'ai pas emmené mon éclairage artificiel ou quoi. J'ai mis la lumière et j'ai essayé de fermer un peu les rideaux. Bref, ensuite, j'ai racheté pour Matt de chez Axe des gels douche comme ceci. Hop, c'est les Axe Fresh Clash. Ils sentent hyper bon. Donc là, c'était un lot de 2 fois 250 ml. Donc ça valait vraiment le coup. Ils sentent plutôt bon. Donc ça, c'est cool. Et j'en ai acheté un autre lot. Celui-ci, j'aime trop. C'est le Total Relax. Pareil, il y en avait deux à l'intérieur. Sincèrement, je crois que ça valait plus le coup en les achetant là que en les achetant chez Action. Au pire, je vous mettrai ici le prix de chez Action pour autant de millilitres. Je vous mettrai une inscription ici, le prix de chez Action et le prix en ce moment en promo beauté chez... Ensuite, on va continuer dans le rayon homme. Matt n'utilise que ce déo et c'est vrai qu'il coûte extrêmement cher hors promo. Mais c'est comme ça, hein, faut en acheter. Et donc là, comme ils sont en promo, à chaque fois, j'en prends un lot et j'irai peut-être lui en racheter un second. Ce sont les Menen Tonic, comme ça, c'est le vert. C'était un lot de deux. C'est un déodorant 24 heures, c'est en stick. Et Mathias utilise que celui-ci, donc à chaque fois, j'en profite lors des promos beauté. Ensuite, pour finir pour Matt, je lui ai pris du shampoing L'Oréal Elsève anti-pelliculaire. C'est pas vraiment qu'il a beaucoup de pellicules, c'est que comme il a les cheveux très courts, il suffit d'une pellicule ou deux et ça se voit. Et Mathias ne supporte pas ça. Donc je me suis dit qu'il allait tester ceci et sincèrement, c'était moins de 3 euros, donc ça valait plutôt le coup. C'est 2 fois 250 ml. Et bizarrement, je ne l'ai jamais vu celui-ci. Donc comme c'est pas pour homme, je me dis qu'une fois de temps en temps, j'ai pas de pellicule, mais des fois j'ai le cuir chevelu qui me démange un peu. Je me dis qu'une fois de temps en temps, pourquoi pas moi aussi me faire un shampoing avec celui-ci.
Ensuite, pour moi, je me suis pris qu'un seul gel douche, il me semble, parce que j'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais. Je croyais qu'il allait avoir les Dope douches d'enfance qui allaient être en promo, et pas du tout. Je trouvais sincèrement que cette année, il y avait des choses qu'on trouve tous les ans en promo, que je prends tous les ans, comme les douches Dope d'enfance ou les gels intimes, etc. Les gels lavants intimes. Et là, il n'y avait pas du tout, en tout cas, dans les deux Leclerc que j'ai pu faire, le Leclerc de 40 ans et le Leclerc de Bayeux, il n'y avait pas du tout. Tantôt, je vais sur Saint-Lô, donc vous verrez si je rachète d'autres choses en promo beauté Leclerc. Vous le verrez dans le vlog de lundi prochain. Bref, donc on continue. J'ai pris ceci de la marque Manava. C'est le Monoid de Polynésie. Donc, il sent pas aussi bon que celui de chez Yves Rocher, parce que moi, j'adore celui de chez Yves Rocher. C'est notre préféré avec Mathias. Mais je crois qu'il y avait 20% sur la carte Leclerc. De toute façon, je vous aurais inscrit ça ici. Donc, voilà. J'ai pris juste celui-ci en gel douche. Après, il m'en reste quelques-uns à la maison, même si j'en ai de moins en moins. Ensuite, j'ai repris du dentifrice. Ça fait très longtemps que je veux le tester, mais c'est hors de question que j'achète des dentifrices hors promo. Je trouve que ça coûte une blinde. Et même si j'en entends que du bien de celui-ci, je savais que les promos beauté Leclerc arrivaient. Donc j'ai pris un lot de deux de chez Signal, le Coco Blancheur. Depuis l'année dernière, j'en entends que du bien. Donc j'avais beaucoup, beaucoup envie de tester. Et il me reste encore 2-3 dentifrices là-haut en stock. Mais le prochain que j'ouvre, c'est clair que c'est celui-ci. Et toujours chez Signal, j'ai pris un nouveau, c'est le charbon blancheur et détox. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux et du coup, je me suis dit, pas pourquoi pas. Et puis, enfin, les dentifrices, ça vaut vraiment le coup de les acheter quand c'est les promos beauté. Ça vaut que dalle. Ensuite, je me suis pris une eau florale de chez Christian Lénard. J'ai pas retrouvé celle en spray que j'utilisais, c'était la tonique à la rose, il me semble. Je ne l'ai pas trop retrouvé, il faisait que en flacon comme ça, donc tant pis. J'en ai repris parce que j'adore ces eaux-là. C'est une eau florale de romarin pour les peaux grasses, astringent et matifiant, donc celle-ci. Donc, il faut faire attention parce que ce sont des bouteilles en verre. Je me demande si je ne l'ai pas fait bouger. Et ensuite, juste pour l'odeur, mais après c'est écrit peau normale à mix, donc ça me va très très bien. Eau aromatisée de tiare, c'est un tonifiant et rafraîchissant. Donc, je trouve que pour le matin, je pense qu'elle peut être plutôt pas mal. Et même pour le soir, après une journée de boulot ou quoi, ça peut être pas mal. Donc, l'eau tiare de chez Christian Lénard également. Ensuite, il n'y a plus grand-chose. Hein. Je me suis pris un shampoing et je pense que je vais aller en racheter. Je voulais le tester ce matin, mais du coup, je ne me suis pas lavé les cheveux ce matin parce qu'ils sont propres. J'essaye de faire un shampoing tous les 3 jours et pour l'instant, sincèrement, ça fonctionne. Donc, je continue comme ça. C'est chez Energy Fruit. C'est un shampoing 0% de sulfate, 0% de silicone, 0% de parabène. Tout type de cheveux, micellaire et détox. C'est au thé vert menthe et l'aloe vera bio, purifie et apaise. 96% d'ingrédients d'origine naturelle, cruelty free et vegan, fabriqué en Provence. Bref, sincèrement, ça nous vend trop du rêve, quoi. Je vous mettrai ici, en fait, j'ai scanné avant de l'acheter sur Insee Beauty. Du coup, je vous le mets juste ici. Et c'était plutôt pas mal. Donc, je me dis pourquoi pas. Par contre, c'est un shampoing et il n'y avait pas l'après-shampoing. Et ça sent la menthe. Moi, j'adore. Je trouve que la menthe au niveau des cheveux, ça rafraîchit à donf le cuir chevelu. Donc, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Ensuite, toujours pour le visage, j'ai pris de chez Bioré, c'est nouveau tout en un. C'est pour peau normale à grasse, au charbon, démaquille, nettoie les pores en profondeur et rafraîchit. Une eau micellaire au charbon sans rinçage. Donc, il fait un petit peu de mousse quand on le secoue. Et moi, quand ça fait un peu de mousse, je le rince. C'est qu'il y a du parabène dedans, donc c'est mort. Si vous secouez un produit et qu'il y a de la mousse, c'est qu'il faut rincer, même si c'est écrit qu'il ne faut pas rincer, surtout, enfin, ne faites pas de mal à votre peau, quoi. Et donc, c'est testé dermatologiquement et testé ophtalmologiquement, j'ai beaucoup de mal. Bref, c'est le Bioré au charbon, c'est une eau micellaire, quoi. Donc, je vais tester et au pire, je vous mettrai aussi une capture d'écran Insee Beauty. Ça, je ne l'ai pas du tout screené, mais je vais le faire pour vous. Donc, pour démaquiller, pour nettoyer et pour se rafraîchir. Moi, ça sera surtout pour parfaire mon démaquillage le soir
et pour rafraîchir un peu. Donc voilà ce que j'ai pris. Et pour terminer, j'ai pris deux produits make-up de chez Maybelline. C'est les Superstay Matte Ink. J'ai vraiment du mal. J'ai pris le 135, le Globetrotter. C'est un marronné. Donc, je n'ai pas repris le Amazonian parce que je l'ai déjà. Bah oui, Bérénice, vas-y, continue dans ta lancée de ne pas savoir parler. Je l'ai déjà, et le Amazonian, et je l'aime tellement ce marronné. En ce moment, je suis très, 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 très nude, marronné, beige, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Donc là, je l'ouvre, je vais vous faire un swatch. De toute façon, je vais vous faire une photo Instagram. Donc, c'est le 135 Globetrotter, et il est trop canon. C'est un marronné orangé. Oh, j'aime trop. Donc, forcément, là, vous ne le voyez pas très bien. Je suis désolée pour la luminosité. Mais suivez-moi sur Instagram, je vous mets juste ici. Et je vais vous faire une photo dans la journée du swatch. Et ensuite, j'ai pris le 95, le Visionary, qui est un nude violacé rosé. Donc, je ne l'ai pas testé. Ça, dans les grandes surfaces, c'est trop, trop, trop embêtant. Puisqu'il n'y a pas de testeur. Et sincèrement, ça me gonfle de ne pas avoir de testeur. Celui-là, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime trop. Il me fait penser à un de chez Kat Von D. Comme ceci. Bah, fou, oui, que dalle. Je suis dégoûtée. Mais je vais vous faire une jolie photo et je vous la mettrai, pareil, le jeudi 9 en photo sur Instagram. Donc voilà pour mes promos beauté Leclerc. Vous voyez, j'ai pas... Bon, j'ai craqué, mais j'ai pris beaucoup de choses pour Matt quand même. Et je pense que je vais racheter quelques produits d'ici là. N'hésitez pas à me suivre sur la chaîne, à vous abonner, etc. Puisque je vous mettrai un vlog lundi de toute la semaine qui vient de passer. Je l'ai commencé très tard, hein, le vlog. Mais on ne sait jamais, ça peut vous intéresser quand même. Et comme ça, si je rachète des produits de la promo beauté Leclerc, vous l'aurez dans le vlog de lundi. Je ne vais pas vous refaire une énième vidéo sur ça. Je voulais vous montrer vraiment ce que j'avais vraiment besoin. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire pour la vidéo de l'endométriose ainsi que ce que vous aurez pu craquer pendant ces promos beauté. J'espère que ça vous aura plu. Je vous envoie plein plein de bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo.